Et à mes pieds, une eau très trouble. Très très trouble. Et là, dans cet endroit-là de très très trouble, ce sont des blocs avec un peu de mélange de sable. Ça peut être intéressant là d'essayer là-dedans au leur soupe. Donc allez hop, on passe au leur soupe. Ma petite boîte de pêche est comme planquée dans ma combinaison. Là, il n'y a pas beaucoup de fond, donc on doit être sur du 1m50 grand max. Donc je vais essayer de pêcher d'abord assez léger. Et le courant, dès que le courant va prendre, je vais prendre un peu plus lourd. Donc là, je suis sur du 10 grammes avec le Blue Equille Junior, que j'ai fait déjà la présentation dans une vidéo où je teste pour vous justement ces deux leurres-là. On va voir si les choses se répètent. Donc là, je laisse pas trop le temps au leurre de descendre, il va descendre dans la progressivité. Hop là, je sais pas si c'est une touche ou si c'est un... C'est le fond. Voilà, il est descendu progressivement sur le fond l'heure et puis ça y est, je commence à le sentir. Donc je remonte un petit peu plus. Hop. Là. Ouais, poisson. Alors je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un bar. C'est un bar, pas très gros, mais voilà. On est sur l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Il est dans les grands laminaires. Voilà. Formidable poisson. Hein. Peu importe la taille, c'est pas très gros, mais c'est pas grave. À un moment donné, les gros vont venir. Voilà. Hop. Oh bah mince. On va y repartir. Il est juste là, hop, regardez-le, avec la vague. Allez, mon petit père. Allez, je vais te filer un coup de main, quand même. Voilà. À bientôt. Et tout à l'heure, j'ai un petit leurre de rivière que j'ai retrouvé. C'est tout petit, ça paye pas de mine. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça, ils vont en vouloir. Parce que c'est tout petit. Ils ont pas très faim. Ça peut lancer l'opportunité. On va voir. Beaucoup de courant, mais c'est pas grave. Attention. Je ne tente rien, n'a rien. Écoute. Un petit leurre de merde. Qui se lance à 15 mètres. Ouais, poisson. Oh, c'est vraiment un leurre de rivière, hein. C'est ce que je vais pêcher la truite avec. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais certainement une vieille, mais... Ah non, un bar, ils ont pas faim, les cons. Oh, super. Hop, décroché. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Donc... Premier lancé avec le petit leurre. Premier bar. Les bars n'ont pas faim. Il leur fallait quelque chose de tout petit. Poisson, poisson. C'est un black minnow, bien dans le courant. Il y a les cailloux, je suis vraiment mal barré. Là, j'ai bridé directement le moulinet, je ne sais pas à quoi j'ai à faire. Ni la taille. C'est un petit. Voilà. Oh là là.
Allez, petite vague, parce que j'ai perdu le suite de tout à l'heure. Hop là. Tac. Au petit black minnow, la couleur rose à moitié, là, ça ressemble à une crevette. Une crevette comme le bar. Une petite crevette, mais voilà, c'est. Ah. Quoi, ils mangent mon leurre? Oh! Prends-moi le seul leurre que j'ai! Ah! Ah, bah non, il me l'a défoncé. Ah, des couilles. Tiens, hop, tombe une mare. Hop, petite mare là, la mer monte. J'ai perdu la queue, j'ai tout perdu. Allez hop. Bon, on va changer. On va passer sur le Miochad. Super. Ouais, les poissons. Voilà, ils n'ont pas faim. Hein. J'aurais dû me monter plus petit marsounet. Hop, la partie à côté. Bon. Ah, il a pris pas un gros, mais il fait la taille. Sur le Swat Chad. La mer monte. Je vais le laisser dans une petite mare, si jamais, s'ils sont plusieurs. Ouais, poisson. Gros, des poissons. Un pins. Poisson. Pas gros. Pas trop d'endroit. Je fasse gaffe. Voilà, beau poisson, je pense. Oh, il a fait un super départ. Je ne suis pas du tout attendu. Ah non, c'est pas un gros. J'ai dû profiter du. La taille plutôt 40. Ah, ça c'est bien. Là, j'ai pas trop le choix. Je suis vraiment au bord. Allez, pépère.
Ah putain, touche. Ouais, poisson. Un pinsoulé. À la dernière minute. C'est pas un peu un gros poisson, mais...